Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un petit podcast sur ma vie que j'avais pas forcément eu l'occasion de vous en parler. Alors, pour commencer, faut savoir que il faut que je me présente. Je m'appelle New Hélène. Mon vrai prénom, c'est Wendy. Je vais vous parler un peu de la vie de Wendy et pourquoi je suis devenue New Hélène à l'heure actuelle. J'ai pas changé de nom à la mairie, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours la même personne, toujours le même nom. Mais mon pseudo a vraiment une histoire incroyable et je voulais vraiment vous en parler. Car pour moi, c'est très important de comprendre d'où vient mon pseudo pour comprendre pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui qui va pas forcément durer longtemps. En tout cas, je vous remercie d'être là et de m'écouter. Alors, il faut savoir que New Willen, New ça veut dire nouveau, comme vous le savez tous en anglais. Et Wilaine. D'où vient Wilaine? En fait, il faut savoir que depuis que je suis née, ma mère, elle me répète souvent qu'elle pensait que j'étais un garçon parce que je lui faisais mal et que le prénom qu'elle avait décidé de me donner était Wilfried. Toute ma vie, j'ai entendu ça et ça m'a vraiment beaucoup percutée. Jusqu'à que je me rende compte que j'avais un style un peu hors du commun, j'étais pas forcément comme mes copines, j'avais un style vraiment propre à moi. J'aimais mettre des vêtements de garçon, j'aimais vraiment m'habiller en mode boyfriend style, Et ensuite, je me suis dit, ok, il y a quelque chose quelque part, il y a quelque chose de bizarre chez moi, Je me suis vraiment beaucoup posé de questions sur ma personne, sur ma sexualité, et bien d'autres choses. Et après, je me suis rendu compte, c'est juste que je suis une personne que j'ai un style vraiment différent des autres, parce que j'aime m'habiller comme ça et pas forcément pour ça. Je pense aussi que c'est le fait qu'elle m'a dit que je devais être un garçon à l'essence et qu'elle voulait un garçon à l'essence, que j'ai aussi ce petit caractère en moi de petit homme qui veut juste prendre soin de sa maman tous les jours. Donc pour moi, c'est très important de prendre soin d'elle. Et par rapport à tout ça, dans la société, comment je me suis sentie? Je me suis sentie mise à l'écart, peut-être regardée différemment. Mais j'avais toujours eu cette confiance en moi qui est toujours là. Même si ça n'a pas été facile d'avoir cette confiance, car faut savoir que voilà, j'ai été bully comme une vieille cloche, comme une vieille merde, quoi. Donc voilà. J'avais pas forcément ce fort caractère que j'ai à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai un caractère un peu plus trempé, un peu plus corsé, comme un bon café, quoi, tu vois. Donc, oui, moi, je parle un peu en mode familier. Donc, faudra pas s'attendre à ce que dans un instant, je vous tape la bise. Voilà. Oui, je garde toujours ce petit ton d'humour. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai tendance à beaucoup rigoler. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie de rire. Parce que c'est la seule chose qui m'a aidé à aller mieux chaque jour et à rester positif dans toute ma vie. Et voilà. Voilà. Il faut savoir que comme j'ai dit, j'ai subi un certain harcèlement qui n'a pas été facile. Qui n'a vraiment pas été facile. J'ai beaucoup de fois penser à des idées très noires. Et je vous cache pas que si j'avais pas eu ma mère à mes côtés, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui à vous parler. Ça m'émeut toujours beaucoup de parler de ça. Ça, j'ai pas l'habitude vraiment de me plaindre ou etc. Je suis quelqu'un de très calme dans la vie en général. Mais pour comprendre un créateur, il faut comprendre sa vie. Donc en ce moment, j'ai mis ma vie sur pause parce que j'avais des petits problèmes d'anxiété. Et l'anxiété, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas forcément. Moi, je fais en sorte de le cacher et de le contenir. Quand je suis pas bien dans un bus ou parmi des gens, j'ai tendance à serrer le poing. Chose que je faisais pas avant. Mais serrer le poing me permet justement de canaliser mon stress et mon angoisse dans mon poing. Et je pense que si vous avez, enfin, si vous êtes victime de ça, si vous avez cette angoisse, ce stress, cette anxiété, pardon,
Je pense que c'est une bonne solution. Du coup, vous mettez le pouce dans votre paume de main et vous fermez les quatre doigts sur le pouce et vous serrez bien fort. Et là, vous allez entendre le battement de votre cœur, ce qui fait que vous allez pouvoir réguler un peu votre battement de cœur. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, c'est vrai que j'avais pas imaginé que j'aurais beaucoup trop de choses à dire et que, en fait, dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Dans ma tête, je veux parler de beaucoup de choses, mais on va laisser ça pour un prochain podcast. On va rester sur cette anxiété et on va essayer de comprendre ensemble le pourquoi, le comment et le où. L'anxiété, pour moi, c'est quelque chose que je ne vois pas forcément. C'est quelque chose qui, on ne sait pas pourquoi, est là. La plupart du temps, je me pose des questions, je me dis, mais pourquoi je suis autant anxieuse? Pourtant, j'ai vécu une belle vie, je sais pas. Je sais jamais, j'ai toujours eu peur d'être jugée, j'ai toujours eu peur de passer devant des gens. Et vous savez, cette sensation que quand les gens rigolent, quand vous passez, vous avez l'impression que c'est pour vous. Moi, j'ai eu ça à peu près, pas toute ma vie, non, non, pas toute ma vie. Mais à un certain moment de ma vie, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais ils rigolent de moi. Je me suis dit, mais pourquoi? Je me suis dit, est-ce que je suis moche? Je me suis posé tellement de questions. Et le fait d'être créatrice de contenu aujourd'hui me fait sentir encore plus anxieuse parce que pour moi, j'ai encore à prouver. Je dois prouver encore et encore plus que je mérite un peu tout ce qui m'arrive. Pas dans le sens où je ne mérite pas, mais dans le sens où, ben maintenant, dans la rue, on va te reconnaître. Maintenant, dans la rue, si quelqu'un rigole, c'est forcément pour moi, parce qu'ils me connaissent. Tu vois, enfin, je ne sais pas si j'explique bien ou si c'est compréhensible. En tout cas, je n'ai pas ce syndrome de l'imposteur, parce que je sais que toute ma vie, j'ai toujours voulu faire rire les gens et apporter de la bonne humeur où partout où je passe. Mais maintenant, quand tu sais que les gens te reconnaissent dans la rue, quand quelqu'un te regarde, tu te poses souvent cette question, est-ce qu'elle me regarde parce qu'elle me connaît ou est-ce qu'elle me regarde parce qu'elle est en train de me juger? Parce que le jugement dans le regard des gens, c'est un jugement qu'on ne comprend pas forcément. Il y a des jugements positifs, il y a des « Ah, waouh, j'adore son haut, j'adore son collier. » Et tu as ces jugements un peu négatifs de « Oh my God, c'est quoi ses cheveux? T'as vu, elle est habillée comme ça et tout. » Je pense aussi qu'on oublie souvent que les créateurs sont aussi des êtres humains. Donc, sortir de la rue, pardon, sortir dans la rue et s'habiller en mode comme si on allait à Met Gala ou etc., au Festival de Cannes, on va être jugé. Et sortir dans la rue, habillé comme un sac, mal sapé, avec des pantoufles, on sera toujours jugé. Donc, c'est incroyable de se dire que maintenant, quand je sors, je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais porter. Alors qu'avant, vraiment, c'était sac sur sac, quoi. Je m'en foutais un peu de tout ce que les gens pouvaient penser. Mais j'ai remarqué que notre manière d'être et notre manière de s'habiller avait beaucoup d'impact, vraiment beaucoup d'impact sur ce que les gens vont penser de toi en tant que créateur. Mais vraiment, si c'est une personne, je vais pas dire lambda parce que personne n'est lambda, tout le monde est original, mais une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'a pas à se poser des questions de ouais, si je sors et que je rencontre des abonnés ou des personnes qui me connaissent et qui veulent faire des photos, je serai habillée comme un sac, on va penser que je me néglige, on va penser que mes vidéos c'est juste pour le fake et tout. Alors que tout le monde a le droit de sortir de chez soi, habillé comme un sac et être propre ce soir. C'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi on est là, on a toujours tendance à juger. Voilà, à juger les créateurs. Je dis pas que tous les créateurs sont propres, etc. Chacun a son truc, hein. Moi je suis pas là pour dénigrer personne. Mais ce que je tenais à dire aujourd'hui à travers cette petite vidéo podcast un peu chill, c'est que peu importe qui vous êtes,
peu importe votre notoriété, peu importe si vous avez beaucoup d'abonnés, peu importe si vous avez beaucoup d'amis, etc. Faut rester vous-même, rester humble. Pour vous dire la vérité, oui, je réfléchis à ce que je vais porter quand je vais sortir, mais aussi je me dis bon, et je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis comme je suis, je resterai comme je suis. Donc ça me fait bizarre. Voilà, ça me fait très bizarre. Là, je suis posée. Je suis clairement posée sur la table et je parle dans un micro. Je sais pas si cette vidéo, elle va avoir le nombre de vues que j'espère. Mais je sais que au moins aujourd'hui, j'ai pu ouvrir mon cœur au moins un petit peu. J'ai pu vous parler un peu de ce que je ressentais par rapport à ce monde qui s'ouvre à moi, cette notoriété. Et je pense que prochainement, je vais revenir. Prochainement, je vais revenir vous parler d'un truc que je fais en ce moment qui en somme, je me pose beaucoup trop de questions par rapport à ça. Et je sais pas si vous êtes comme moi, je pense trop. Alors, si vous voulez, la prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo sur laquelle je parle sur moi, sur le fait que je pense trop, je pense beaucoup, je demande à être aimé et j'ai envie d'être aimé ou etc. Ou... Il y a tellement de choses, il y a vraiment tellement de choses. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont anxieuses comme moi, ne vous inquiétez pas, on est ensemble, restez fort, personne ne comprendra réellement ce qu'on ressent quand on est comme ça. Même si c'est pas un moment, c'est toujours des moments assez difficiles où on sent un petit peu mal d'être comme on est en fait, mais il faut être fort, faut se dire que ça ira. Et ne vous inquiétez pas, je reviens très bientôt. Alors si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce bleu aussi pour donner de la force. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. C'était New Hélène.